Je suis Bandé Makido, éleveur transhumant de la région de l'Est. Autrefois, la transhumance se pratiquait sur des courtes distances et des séjours très courts. Maintenant, avec la rareté des ressources, nous sommes obligés de parcourir des grandes distances et souvent traverser des frontières. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, avec des réglementations inadaptées, nous sommes obligés de payer des taxes à la frontière. Et actuellement, avec l'état de l'insécurité, nous sommes souvent assimilés aux groupes armés. Nous faisons cette transhumance pour gagner notre vie. Et nous sommes toujours à la recherche de l'eau et des pâturages. Nosotros venimos del departamento de Izabal, de Guatemala. Nosotros somos de una comunidad rural. Se vienen cambios climáticos que uno no se los espera. Y cuando pasó la ETA, la comunidad prácticamente perdimos prácticamente todo. La comunidad quedó destruida. Lo que les quisiera decir que acaten también las medidas que los gobiernos tardíamente dan. At this present time, climate mobility is extremely real. Statelessness is real. Cultural statelessness is a reality. This is what it means for Pacific families, Pacific individuals to actually be impacted by the current climate changes that are taking place in our region. For COP26, it is extremely important, it is critical that our global leaders include climate mobility. It must be on the table, it must be addressed, and now.